Troisième station. Jésus se relève pour la première fois. Quelle souffrance pour mon cœur de mère, voir mon enfant à terre et ne pas pouvoir courir vers lui pour l'aider à se relever, soigner ses plaies, le consoler. Mon Jésus, c'est ce que je faisais quand tu étais petit, à chaque fois que tu tombais. Tu t'en rappelles? Mon cœur ressentait amplifié la moindre de tes égratignures. Combien plus il est meurtri aujourd'hui de te voir à terre, écrasé sous le poids de la croix, de ne pouvoir venir à ton secours, de voir tous ces soldats te malmener pour que tu te relèves alors que tu es à bout de force, de voir la foule se moquer de toi, se réjouir en te voyant t'effondrer sous un tel fardeau. La seule préoccupation des soldats, des pharisiens, c'est de te voir arriver vivant au calvaire pour ne pas être privé du clou de ce triste spectacle, ton crucifiement. Comment se peut-il que des frères aient si peu de compassion de leur prochain? Tout à l'heure, chacun ira porter son offrande au temple, son agneau pascal pour qu'il soit sacrifié au Père. Et ici, il malmène l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, le seul capable d'offrir au Père un sacrifice qui lui soit agréable. Comment le Père pourrait-il recevoir leurs offrandes avec complaisance alors qu'il traite ainsi son envoyé ? Mon fils, tu te relèves avec tant de peine. Tu saisis la croix et reprends le chemin. Tu titubes, mais je sais ta détermination. Tu iras jusqu'au bout pour l'amour du Père, à qui tu veux offrir le seul sacrifice qui soit digne de lui, l'offrande de toi-même. Pour eux, qui ne mesure pas toute l'étendue de ta compassion pour leur misère. Le vieux serpent avait assuré Adam qu'en goûtant du fruit défendu, il serait comme Dieu. Vois aujourd'hui la misère dans laquelle sa tromperie les a plongés. Ils ne sont que haine, aveuglement, dureté de cœur. Mon Jésus, avec toi, je prie le Père de prendre pitié de tous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, vois ton Fils qui se relève de sa chute et reprend le chemin qui mène au calvaire. Il est comme ces agneaux que tout à l'heure on mènera à l'autel pour te les sacrifier. Jésus est ton agneau, l'agneau sans tache, le seul digne de toi, parce qu'il est ton Fils, parce qu'il est ton Verbe, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin qu'on le mène à l'autel du sacrifice. Il s'y rend de lui-même et se donne tout entier à toi en offrande d'agréables odeurs pour la rémission des péchés de toute la nature humaine déchue. Pour toute cette humanité qui a tant besoin qu'on la sauve
et qui ne s'en rend pas compte. Père, par ce relèvement, accorde à chaque âme de suivre le chemin du salut avec détermination, sans craindre ni les obstacles ni les chutes. Père, par ton Fils qui se relève avec tant de peine, soutiens le courage de tous ceux qui seront en butte à la persécution pour le nom de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.